Mes bons plans pour Albi et Vallée du Tarn ? Moi, c'est Laura, et je te conseille d'abord la cité épiscopale, classée par l'UNESCO depuis 2010. L'impressionnante Sainte-Cécile est la plus grande cathédrale de briques au monde, avec à l'intérieur un ensemble unique de peintures Renaissance. Juste à côté, ne rate pas le palais de la Berbie et ses jardins qui abritent le musée Toulouse-Lautrec. Ensuite, déambule dans le centre-ville. L'ambiance se découvre au détour d'une rue médiévale, d'une place ou d'une dégustation au marché. Puis pour une petite escapade nature dans la vallée du Tarn, la presqu'île de l'Ambialé est l'endroit idéal. En juillet, ne loupe pas le festival Post-Guitare Sud de France. Tu pourras y applaudir des stars internationales dans toute la ville.